dans Demain nous appartient, Jordan se retrouve à l'hôpital après avoir été blessé. Grâce à Damien, la police est sur une nouvelle piste concernant la mort d'Alban. Mercredi 28 février 2024 dans Demain nous appartient. Jordan, Maxime l'élu évoque l'interrogatoire musclé de Jordan avec Karim, Sami Garbi, raconte à Nore qu'il était en promenade et que des hommes se sont mis à se battre. Il a reçu de droite. Le garçon n'est que légèrement blessé. L'aîné de la famille Roussel va devoir vite retourner en prison. Il lui demande de ne pas en parler à Judith, Alice Varela. Nore le rassure, personne ne croit qu'il est coupable. Demain nous appartient en avance, Alban vendait des bijoux volés sur internet. Audrey demande à Damien de la laisser entrer dans sa chambre d'hôpital mais il ne peut pas. Il croise Laure dans les couloirs qui lui explique que Jordan était très agité et qu'il est sorti cette nuit-là. Au commissariat, Roxane découvre que Damien, Adrien Robe qui joue dans la série tournée en Ukraine In The Car, examine les affaires d'Alban. Elle décide de l'aider. Damien a retrouvé une clé chez Alban qui a servi pour un box ouvert au nom de sa mère. Karim accepte de suivre cette piste. Les deux hommes visitent le box et y trouvent des bijoux et montrent sûrement volés. Timothée retrouve les objets sur un site de vente en ligne. À l'hôpital, Jordan est examiné par Marianne. Elle lui rappelle qu'il n'a rien fait de mal et qu'il a un bon avocat. Au commissariat, Laure est interrogée sur les bijoux volés mais elle n'y croit pas. Elle finit par se rappeler qu'il se faisait pas mal de restaurants. Karim relâche la jeune femme, ce qui agace Damien. Demain nous appartient en avance, Nordine et Aurore passent en cuisine à la villa, Aurore demande à William si cela n'a pas été trop dur avec Samuel, Axel Kinner. Elle lui raconte ensuite ce que devient Sophia, Emma Smet, et lui révèle qu'elle a participé à plusieurs soirées organisées par sa fille. William avoue qu'il a été désespéré sans elle. C'est alors que Manon leur apporte le petit déjeuner au lit. Puis Aurore propose à Nordine de l'aider à faire des tapas pour le dîner. Le garçon refuse, elle lui donne alors le linge à repasser. Nordine finit par coopérer face aux menaces de sa chef. Ils cuisinent ensemble. Nordine et Aurore découvrent que William et Manon ont parié sur leur entente en cuisine. Demain nous appartient en avance, Lilou et Lima se mettent une couple à l'hôpital, Bastien apprend qu'il est guéri. Il va pouvoir retourner au lycée au plus vite. Diego lui propose son aide pour rattraper les cours. Bastien découvre Lou qu'il trouve magnifique. Diego le pousse à aller lui parler. Il s'exécute. Plus tard, Lilou raconte à Violette que Bastien est à fond sur elle. Elle trouve agréable d'avoir un mec à ses pieds. Violette lui suggère de l'oublier. Lorsque Bastien passe devant Lilou et Liam, elle embrasse le voleur des cadeaux de Noël pour le rendre jaloux. Lilou assume son geste, Liam et elle s'embrassent. À la fin de l'épisode, Damien se rend chez Laure pour examiner son appartement. Just